Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement Sport, une émission 100% hockey sur glace. Ce soir, on va parler HCCR mais aussi derby. On va revenir sur le derby de mardi soir ici entre les Rouges et Jaunes et le HC Viège. Et un grand invité en fil rouge durant cette émission, Chris Maxorley, celui qui est attendu un petit peu comme le Messi ici à Sierre. Chris Maxorley, Graben. Hi Chris. Salut Florent. Thank you to be with us for this show, Complètement Sport. It was derby night here on Tuesday night. Now you are no more a coach, you live as a fan. You don't miss a game of your HCCR. No, I've come to love HCCR and... Non, je suis venu ici pour aimer le HCCR, ressentir l'esprit des fans, expérimenter un derby. C'est très intime et ma famille et moi, nous sommes devenus de grands fans. How do you judge the start of this season for les Rouges et Jaunes? Il y a beaucoup de transitions sur la glace avec Yves et les nouveaux joueurs. Il y a aussi beaucoup de mouvements au-dessus, dans le conseil d'administration avec Alain Bonnet et tout le conseil. On est en plein changement pour se positionner avec le projet de patinoire et une ascension en National League. C'est beaucoup de changements, mais c'est très excitant. Chris, you stay with us. We'll come back on this derby. It was here in Graben on Tuesday night against Visp. We follow this game with the defender Mathieu Maret. 3-2 avec une dernière réussite tombée en tout début de troisième tiers. CR s'impose face à Viège. Un succès acquis de haute lutte. Rien ne fut simple pour les joueurs locaux. Tous les matchs, il faut les jouer. Et puis c'est vrai qu'hier, avec l'engouement du public et tout, on s'est senti pousser des ailes. Et puis à la fin, on empoche les trois points. C'est fabuleux. Après 9 rencontres, les Rouges et Jaunes lorgnent vers les premières places. La formation valaisanne pêche principalement dans un secteur de jeu. On prend trop de goals encore. Ça vient de la zone défensive. Je ne sais plus les statistiques, mais on doit pas être dans le bas du classement dans les goals encaissés. Mais si on arrive à en marquer plus devant, ça va. Les premiers qui sont critiqués, c'est toujours défenseurs. Après, sur la glace, on est 5. Voilà, c'est là où on doit travailler et puis être soudés vraiment les 5 dans la zone défensive pour contrer l'adversaire. La force du HCCR, c'est bien sûr déjà un public fidèle et aussi une campagne de transfert qui fait ses preuves. On voit aussi que la sauce, elle commence à prendre gentiment. Il n'y a pas que la première ligne qui est capable de marquer. Les 4 lignes sont homogènes. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus et puis qu'on essaye d'accrocher le wagon de tête. C'est la première fois qu'on gagne 2 matchs de suite, ça fait du bien. En espérant qu'on est capable d'avoir un peu de momentum avec cette victoire et puis arriver à Winterthur, le prochain match, puis être fin prêt. Et puis en espérant qu'on se présente sur la route aussi fort qu'on se présente à la maison. Et l'avenir plus ou moins proche, c'est encore la construction d'une nouvelle halle. Ça motive, parce qu'on sent que les choses commencent à bouger. On ressent ça aussi dans le vestiaire. Après, voilà, c'est sur du long terme. Donc là, on se concentre vraiment sur au jour le jour. Et puis, on prend une saison après l'autre. Et puis, on essaye vraiment de se donner à fond pour que les résultats suivent. Chris, we are here in Graben, this old lady, 60 years old. How do you feel in this old cathedral? Well, in 2001, I know the experience of bringing Genève Servette when we were in National League B. En 2001, j'ai vécu l'expérience de venir ici avec Genève Servette en Ligue B pour jouer contre Sierre. C'était très dur de venir jouer ici comme adversaire. Ce bâtiment a fait son job. Il a servi la ville avec de grandes équipes. Il a vu beaucoup de pros, de championnats. C'est chargé d'histoire. Pour nous, le projet, c'est d'amener cette histoire dans le futur. Mais tout le monde ici peut être fier d'être un fan de hockey et de ce que Graben a amené à la ville dans le passé pendant 60-70 ans. Yeah, now it's time to get further in the history with the new project. The next step, it's the council, general council of the municipality, city of Sierre. It's the next step. Next spring, it will be decisive. Well, it will be. We feel very confident. We have a great project. Ça le sera. On est très confiants. On a un grand projet avec Monsieur Jeanneret et Urban Project. On a un investisseur très motivé. Il y a aussi Pierre Berthaud avec le conseil général, Jean-Marie Viaco pour le district, les communes.
On a beaucoup de leadership dans ce projet, on a confiance. Ce sera grand pour le public, pour le club, le patinage artistique, le curling, l'académie. C'est un véritable projet multifonction pour la communauté. The motto now for you, for your team, for the project, it's time. It's critical. C'est décisif pour le futur. Alain Bonnet, le président, l'a dit. C'est un moment décisif pour l'avenir du club. C'est le moment. Et le slogan le dit. C'est la place où être ici, à Sierre, avec notre projet pour la National League, avec la patinoire et les critères demandés pour y arriver. Do you fear a possible popular voting? Il y a toujours cette crainte, mais on est très confiant, même en pensant à ce vote. On est confiant envers le Conseil général qui devrait voter dans un sens positif. On ne voit aucun défaut dans ce projet avec des investisseurs et des développeurs expérimentés. Condé Mines est un excellent site, proche de la gare, de l'autoroute, du centre-ville. Ça coche beaucoup de cases. Il n'y a pas de point négatif et on espère qu'il n'y en aura pas. Chris, stay with us. I want you to listen to someone you met in a TV show. I'm sure it will remember something to you. We listen to. Okay. This is why I don't understand that they fire him. Hey, come on. Yeah. New ownership. That's what we're talking about. New ownership and owner like he's like he made Geneva great, finito. Other people also, but he made Geneva great where they are now. He alone. Thank you, Arnaud. It's so. I do know me. I don't tell. No. I don't need to kick you. Kiss your ass. I don't need this. This is true. Chris, nice words from another great guy, great people of the Swiss ice hockey, Arnaud Del Curto. He's an icon. Arnaud est une icône. J'ai fait du golf avec lui il y a un mois. D'ailleurs, il triche un peu au golf. Non, Arnaud, tu ne triches pas. C'est un grand ami et un mentor. Il a gagné 6 titres, c'est remarquable. J'ai été plusieurs fois la victime avec son grand HC Davos. Il a été très proche du directeur de son club et je l'appelle souvent pour des conseils avisés. Son style d'expérience serait très utile pour amener cette équipe en National League. Is someone like you, 20 years more in Davos, you in Geneva, you put Geneva on the Swiss ice hockey map high level. Next step, you want to put Sierre on this map. We're going to do a copy paste. We're going to take a team. We're going to On va faire un copier-coller. On prend une équipe, on lui donne un objectif, on la finance correctement et on a un seul but. Non pas de gagner la Swiss League, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre absolument la National League, amener l'histoire dans le futur. Le projet, c'est de ramener ce club à ce niveau et mon travail et celui des personnes avec moi, c'est de s'impliquer à 100%. Alain, avec la direction, la ville, les fans, on fait corps pour amener ce club en National League et je suis sûr qu'on va le faire. National League, and I'm absolutely certain we're going to deliver. Why is it Sierre? Why do you believe in Sierre? It's just time. I mean, the history of the rich history of National League hockey. C'est juste le moment. L'histoire, la richesse du hockey de haut niveau ici dans la région est extraordinaire. Quand je venais ici en Valais avec Genève Servette pour des matchs de préparation de pré-saison, je me disais toujours comment et pourquoi un canton comme celui-ci avec cette grosse culture de hockey n'avait pas de hockey de Ligue nationale. Et après mon départ de Genève Servette, eh bien cette opportunité s'est présentée et je m'y suis consacré à 100%. Et plus je suis ici, plus je suis motivé et je sens que c'est le moment. Chris, we will listen to the supporters, the crowd, the fans here in Sierre. I follow you last derby during the first third. How do you feel? How do you manage to get the affection of the public here in Sierre? Bonsoir, Chris. Salut. Bonsoir. Comme un homme en campagne, pour Chris Max Orlay, le derby commence déjà avant le premier coup de patin. Convaincre, partager sa passion, sentir ce HC Sierre sur lequel il croit très fort. L'ancien boss de Genève Servette est en mission à Graben, totalement impliqué.
C'est important pour moi d'essayer de créer ces connexions. J'ai toujours essayé de le faire, d'aller vers les fans, et ça donne toujours une bonne indication sur comment le match va se dérouler. Salut Georges. Hockey 33, club de soutien historique des Rouges et Jaunes. On ne doute pas une seconde des qualités du bonhomme. Un Chris Maxwell est attendu presque comme le Messi par les Sierrois. Bon, le Messi, c'est peut-être un grand mot, mais on attend énormément de lui. Et je pense que grâce à lui, on va pouvoir, on espère, enfin, avoir cette patinoire qu'on attend depuis 35 ans. On a eu plusieurs Messi, on a eu Jacques Lemaire, aujourd'hui on a Max Orlé. J'espère que le Messi d'aujourd'hui, Max Orlé, j'ai confiance, ça va se réaliser. We do have a good power play. Place au match, en tribune, aux côtés de sa femme Eva. Chris Max Orlé vit encore la partie comme le coach qu'il a été il n'y a pas si longtemps. Oh, wow, wow, yeah. L'œil aiguisé, la feuille de notes à portée de main, de quoi sans doute mettre un peu plus de pression sur l'équipe dirigeante, avec une seule ambition, rêver en très grand. On a toujours eu la pression parce qu'on a un club qui est très suivi. Je veux dire, quand j'ai RP en première ligue, il y avait toujours une pression de monter d'une ligue. MySport, maintenant Swiss League, maintenant de se développer dans la Swiss League. On a une pression, on est conscient d'où on vient, on est conscient aussi où on veut aller. Et puis ça fait plaisir d'avoir aussi des personnes aussi avec des compétences supplémentaires dans le conseil d'administration pour développer le club. Great head. Et avec Max Orlé, tout va très vite. L'homme croit plus que jamais au potentiel de Sierre et du Valais pour le plus haut niveau du hockey suisse. Chris, your childhood, you were born in, on a farm in Ontario with many brothers, sisters. Your DNA, you feel something special here in Valais links with what you are. Well, I guess I grew up on a very large farm. I grew up on an enormous farm in southern Ontario and j'ai grandi dans une ferme dans le sud de l'Ontario. J'avais 6 frères, 3 sœurs, très papa-maman. On travaillait depuis tout petit sur la ferme pour aider la famille. Et venir à Sierre, dans le pays, je ressens quelque chose de naturel. Avec ma famille, on apprécie cette expérience. On regarde devant. En tant que professionnel, je veux voir ce que ce club peut amener au public, un peu comme ce que Fribourg-Oteron a fait avec sa communauté, ou encore Ambri-Piotta, voir ce que ce club représente. You coach some Valaisan players, Arnaud Jacquemet, Goran Bezina. You know the spirit of the guys from here. Yeah, I know they have hard heads, so I know they're very stubborn. Oui, je sais qu'ils ont la tête dure. Ils sont très têtus et c'est leur trait de caractère. Et c'est ce qui fait qu'ils sont de grands athlètes avec une personnalité très déterminée. Le succès de Genève Servette a été largement influencé par le travail de Goran Bezina. Et Genève Servette, comme moi, en tant que coach, sommes éternellement reconnaissants envers Goran. Arnaud Jacquemet est aussi un individu de première classe. Et quand il aura fini à Genève, j'espère qu'il me donnera un coup de fil, parce que je suis sûr qu'il y a du travail pour lui ici à Sierre. Maybe another link with Valais, it's your taste for wine. You are a wine lover? I do love, oh oui, j'aime le vin. I've had some, local people show me. Certains locaux m'ont fait découvrir des vins magnifiques. C'est un pays magnifique, mais j'ai aussi compris que certains jours, il fallait dire non et se cacher dans mon appartement. Hide in my apartment. Yeah. Thank you, Chris. Thank you. Merci, très heureux. No place easy, so this, we're ready for, on est prêt pour le projet. Thank you, all the best for your project. Et merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Complètement Sport. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous tous. Salut. C'était votre émission sportive avec Groupe Mutuel.